L'agneau défait la septième attache du livre. L'agneau défait la septième attache du livre. À ce moment-là, il y a dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vois les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Ils reçoivent sept trompettes. Un autre ange vient se placer près de l'autel. Il porte un brûle-parfum en or et il reçoit beaucoup de parfums. Il les offre donc avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu sur l'autel en or qui est devant le siège royal. De la main de l'ange, la fumée des parfums monte devant Dieu avec les prières de tous ceux qui lui appartiennent. Puis, l'ange prend le brûle parfum, il le remplit avec le feu de l'autel et il le jette sur la terre. Alors, il y a des coups de tonnerre, des bruits, des éclairs et un tremblement de terre. Les quatre premières trompettes sonnent. Les sept anges qui tiennent les sept trompettes se préparent à en sonner. Le premier fait sonner sa trompette. De la glace et du feu mélangés de sang tombent sur la terre. Le tiers de la terre brûle, le tiers des arbres brûle, et toute l'herbe verte brûle. Le deuxième ange fait sonner sa trompette. Quelque chose comme une grande montagne de feu tombe dans la mer. Le tiers de la mer devient du sang, le tiers des animaux qui vivent dans la mer est tué, et le tiers des bateaux est détruit. Le troisième ange fait sonner sa trompette. Une grande étoile tombe du ciel, elle brûle comme une flamme immense. Elle tombe sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. L'étoile s'appelle Poison amer. Le tiers de l'eau devient amer, et beaucoup de gens meurent parce que l'eau est empoisonnée. Le quatrième ange fait sonner sa trompette. Le tiers du Soleil, le tiers de la Lune et le tiers des étoiles sont frappés les parties frappées deviennent noires, le jour perd un tiers de sa lumière et la nuit aussi. Je regarde encore. Un aigle vole très haut dans le ciel. Je l'entends crier avec force. Malheur. Quel malheur pour les habitants de la terre. Quel malheur pour eux quand les trois autres anges feront sonner leurs trompettes. La cinquième trompette sonne. Le cinquième ange fait sonner sa trompette. Je vois une étoile qui tombe du ciel sur la terre. Elle reçoit la clé du puits qui conduit au trou sans fond, là où les esprits mauvais sont en prison. L'étoile ouvre le puits du trou sans fond, et de la fumée monte. Elle ressemble à la fumée d'un grand feu. Alors, le soleil et l'air deviennent sombres, à cause de la fumée du puits. Des sauterelles sortent de cette fumée, et elles couvrent la terre elles reçoivent le même pouvoir que les scorpions de la terre. On leur défend de faire du mal à l'herbe, aux plantes et aux arbres elles ont le droit de faire du mal seulement aux gens qui ne portent pas sur le front la marque de Dieu elles n'ont pas le droit de les faire mourir, mais seulement de les faire beaucoup souffrir pendant cinq mois. La douleur qu'elles causent ressemble à la douleur causée par la piqûre des scorpions. À ce moment là, les gens chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils voudront mourir, mais la mort s'éloignera d'eux les sauterelles ressemblent à des chevaux prêts pour le combat sur la tête elles portent quelque chose qui ressemble à des couronnes d'or leurs visages sont comme des visages humains leurs cheveux sont comme des cheveux de femme et leurs dents sont comme celles du lion elles semblent habillées de fer et le bruit de leurs ailes ressemble au bruit de chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat ces sauterelles ont des queues comme celles des scorpions avec une pointe piquante et c'est avec leurs queues qu'elles peuvent faire du mal aux gens pendant cinq mois le roi des sauterelles c'est l'ange du trou sans fond en hébreu, il s'appelle Abaddon, et en grec, Apollion, c'est-à-dire le destructeur. Le premier malheur est passé. Après cela, deux malheurs doivent encore venir. La sixième trompette sonne. Le sixième ange fait sonner sa trompette. J'entends une voix qui vient des coins de l'hôtel en or placé devant Dieu. La voix dit au sixième ange qui tient la trompette, Libère les quatre anges qui sont attachés près du grand fleuve Euphrate. On libère les quatre anges. Ils étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année où ils devaient tuer le tiers des habitants de la terre. On me dit combien il y a de soldats à cheval. Ils sont deux cents millions. Je regarde. Et voici comment les chevaux et leurs cavaliers m'apparaissent. Ils portent des cuirasses rouges comme du feu, bleu foncé comme une pierre précieuse, et jaunes comme de la poussière brûlante. Les têtes des chevaux sont comme des têtes de lions. Leur bouche crache du feu, de la fumée et de la poussière brûlante. Le feu, la fumée et la poussière brûlante qui sortent de la bouche des chevaux sont trois grands malheurs. Ils tuent le tiers des habitants de la terre. Le pouvoir des chevaux se trouve dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemble à des serpents. Elles ont des têtes et elles s'en servent pour faire du mal. Ces grands malheurs n'ont pas tué tout le monde. Les gens qui restent ne changent pas leur vie. Ils continuent à adorer les esprits mauvais et les faux dieux qui ne peuvent pas voir, ni entendre, ni marcher. En effet, ils les ont fabriqués eux-mêmes avec de l'or, de l'argent, du métal solide, de la pierre ou du bois. Ces gens-là continuent à tuer, à pratiquer la sorcellerie, à mener une vie immorale et à voler. L'ange et le petit livre. Je vois un autre ange puissant qui descend du ciel. Un nuage l'enveloppe comme un vêtement, un cercle brillant entoure sa tête. Son visage est comme le soleil, ses jambes sont comme des colonnes de feu. Dans sa main, il tient un petit livre ouvert. Il pose le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Il crie d'une voix forte comme un lion qui rugit. Quand il a crié, sept coups de tonnerre se font entendre. Après les sept coups de tonnerre, je veux me mettre à écrire ce que les sept coups de tonnerre ont dit. À ce moment-là, j'entends du ciel une voix qui me dit. Cache ce que les sept coups de tonnerre ont dit. N'écris rien. Alors, l'ange que j'ai vu debout sur la mer et sur la terre lève la main droite vers le ciel. Il fait un serment au nom de Dieu qui vit pour toujours, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. L'ange dit. Il ne reste plus de temps maintenant. Mais au moment où le septième ange commencera à sonner de la trompette, le projet caché de Dieu sera accompli. Il a annoncé cela à ses serviteurs, les prophètes. La voix du ciel, que j'ai déjà entendue, me parle encore. Elle dit ⁇ Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. ⁇ Je m'avance vers l'ange et lui demande de me donner le petit livre. Il me dit ⁇ Prends-le et mange-le. Il sera amer pour ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je prends le petit livre de la main de l'ange et je le mange. Dans ma bouche, il est doux comme du miel, mais quand je l'ai mangé, il devient amer pour mon ventre. Ensuite on me dit, Tu dois encore parler au nom de Dieu, au sujet de beaucoup de peuples et de pays, de beaucoup de gens de toutes langues, et au sujet de beaucoup de rois. Les deux témoins. Puis quelqu'un me donne un roseau qui ressemble à un bâton pour mesurer. Il me dit, Va mesurer le temple de Dieu et l'autel. Compte aussi ceux qui adorent dans le temple, mais la cour extérieure du temple laisse-la, ne la mesure pas, parce qu'on l'a laissée à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils détruiront tout dans la ville sainte pendant quarante-deux mois et j'enverrai mes deux témoins habillés avec des vêtements de deuil. Ils parleront au nom de Dieu pendant mille deux cent soixante jours. Ces deux témoins sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu sort de leur bouche et détruit leurs ennemis. Oui, celui qui veut leur faire du mal mourra de cette façon. Ces témoins ont le pouvoir d'empêcher la pluie de tomber pendant le temps où ils parlent au nom de Dieu. Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang, ils peuvent frapper la terre de toutes sortes de grands malheurs, aussi souvent qu'ils veulent. Mais quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui monte du trou sans fond va leur faire la guerre, elle va les vaincre et les tuer. Leurs corps resteront sur la place de la grande ville, là où leur seigneur a été cloué sur une croix. Cette ville porte les noms de Sodome et Égypte. Des gens de tous les peuples, de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les pays viendront pour regarder leur corps pendant trois jours et demi. Ils ne permettront pas qu'on les enterre. Les habitants de la terre seront heureux à cause de la mort de ces deux prophètes. Ils seront dans la joie, ils se feront des cadeaux, parce que ces deux hommes les ont fait beaucoup souffrir. Mais après ces trois jours et demi, un souffle de vie qui vient de Dieu entre dans le corps des prophètes, et ils se mettent debout. Alors ceux qui les regardent ont très peur, puis les deux prophètes entendent une voix forte qui vient du ciel. Elle leur dit, Montez ici. Et ils montent au ciel, dans un nuage, sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment-là, il y a un violent tremblement de terre. La deuxième partie de la ville s'écroule, et sept mille personnes meurent dans le tremblement de terre. Ceux qui vivent encore sont effrayés, et ils rendent gloire au Dieu qui est au ciel. Le deuxième malheur est passé. Mais le troisième malheur va venir bientôt. La septième trompette sonne. Le septième ange fait sonner sa trompette. Dans le ciel, on entend des voix fortes. Elles disent ⁇ Maintenant, le pouvoir de gouverner le monde est à Dieu notre Seigneur et à son Messie. Il sera roi pour toujours. ⁇ les vingt-quatre anciens qui sont assis sur leur siège devant Dieu tombent par terre le front contre le sol, et ils adorent Dieu en disant Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, nous te remercions. Tu t'es servi de ta grande puissance, et maintenant tu es roi. Les peuples se sont mis en colère, mais c'est ta colère qui est venue. Pour les morts, c'est le moment du jugement, c'est le moment où tu vas récompenser tes serviteurs, les prophètes, ceux qui t'appartiennent, qui te respectent avec confiance, les petits et les grands, c'est le moment où tu vas détruire ceux qui détruisent la terre. Dans le ciel, le temple de Dieu s'ouvre, on voit le coffre de l'Alliance dans son temple. Alors il y a des éclairs, des bruits, des coups de tonnerre, un tremblement de terre, et une forte pluie de glace. La femme et le dragon. Un grand signe apparaît dans le ciel. C'est une femme. Le soleil l'enveloppe comme un vêtement. La lune est sous ses pieds. Sur la tête, elle porte une couronne de douze étoiles. Elle va bientôt mettre au monde un enfant, et les souffrances de l'accouchement la font crier. Un autre signe apparaît dans le ciel. C'est un grand dragon. Il est rouge comme le feu. Il a sept têtes et dix cornes, et sur chaque tête, il porte une couronne. Avec sa queue, il balaye le tiers des étoiles du ciel et il les jette sur la terre. Le dragon se place devant la femme qui va accoucher pour dévorer l'enfant dès sa naissance. La femme met au monde un fils. C'est ce garçon qui va diriger tous les peuples très durement. Mais cet enfant est emporté auprès de Dieu et de son siège royal. Alors la femme s'enfuit dans le désert. Là, Dieu lui a préparé une place pour qu'on lui donne à manger pendant mille deux cent soixante jours. Puis il y a un combat dans le ciel. Michel et ses anges luttent contre le dragon. Le dragon lutte, lui aussi, avec ses anges, mais il n'est pas le plus fort. Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel, et le grand dragon est jeté dehors. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Il est appelé l'Esprit du mal et Satan. Il trompe le monde entier. Il est donc jeté sur la terre et ses anges avec lui. J'entends une voix forte dans le ciel. Et elle dit. Maintenant, c'est le moment où Dieu sauve. Maintenant, notre Dieu est roi avec puissance. Maintenant, son Messie montre son pouvoir. En effet, il a été jeté dehors, celui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu, celui qui les accusait jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et en rendant témoignage à la parole de Dieu. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Soyez donc dans la joie, vous, le ciel et ses habitants. Mais quel malheur pour vous, la terre et la mer. L'esprit du mal est descendu chez vous et il est très en colère parce qu'il a peu de temps et il le sait. Quand le dragon voit qu'il a été jeté sur la terre, il poursuit la femme qui a mis au monde un garçon. Mais la femme reçoit les deux ailes du grand aigle. Elle peut donc s'envoler dans le désert à l'endroit préparé pour elle loin du serpent. Là, elle reçoit de la nourriture pendant trois ans et demi. Alors, le serpent crache de l'eau comme un fleuve derrière la femme pour que l'eau l'emporte. Mais la terre vient aider la femme. La terre s'ouvre et elle avale le fleuve que le dragon a craché. Le dragon est très en colère contre la femme, et il part faire la guerre contre le reste de ses enfants, ceux-là qui obéissent au commandement de Dieu et qui sont les témoins de Jésus. Puis, le dragon se place au bord de la mer. La bête qui sort de la mer. Ensuite, je vois une bête qui sort de la mer. Elle a dix cornes et sept têtes. Sur chaque corne, il y a une couronne, et sur chaque tête, il y a un nom qui insulte Dieu. La bête que je vois ressemble à un léopard. Ses pattes sont comme celles d'un ours et sa gueule est comme celle d'un lion. À cette bête, le dragon donne sa puissance, son siège royal et un très grand pouvoir. L'une des têtes de la bête semble blessée à mort, mais maintenant sa blessure est guérie. Alors toute la terre admire cela et elle suit la bête. Tout le monde adore le dragon parce qu'il a donné le pouvoir à la bête. Ils adorent aussi la bête en disant Qui est comme la bête Qui peut lutter contre elle la bête reçoit l'autorisation de dire des paroles pleines d'orgueil et des insultes contre Dieu. Elle reçoit le pouvoir d'agir pendant quarante deux mois. La bête se met à insulter Dieu. Elle insulte le nom de Dieu, le lieu où il habite et aussi les habitants du ciel. Elle a le droit de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle reçoit le pouvoir sur toutes les tribus, sur tous les peuples, sur des gens de toutes langues et sur tous les pays. Tous les habitants de la terre vont l'adorer, sauf ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Depuis la création du monde, ce livre appartient à l'agneau offert en sacrifice. Celui qui a des oreilles doit bien écouter. Si quelqu'un doit être prisonnier, il sera fait prisonnier. Si quelqu'un doit mourir par les armes, il mourra par les armes. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, c'est le moment d'être patient et de croire. La bête qui sort de la terre. Ensuite, je vois une autre bête qui sort de la terre. Elle a deux cornes comme celle d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. Elle a tout le pouvoir de la bête qui est sortie de la mer, et elle se sert de ce pouvoir devant la bête de la mer. La bête de la mer a été blessée à mort, mais elle a été guérie. La bête qui vient de la terre oblige la terre et ses habitants à adorer la bête de la mer. La bête de la terre fait des choses extraordinaires. Devant tout le monde, elle fait même descendre sur la terre un feu qui vient du ciel. Ainsi, elle trompe les habitants de la terre. En effet, elle a reçu le pouvoir d'accomplir ces choses extraordinaires devant la bête de la mer. Elle demande aux habitants de la terre de faire une statue de la bête de la mer. Une lance avait blessé cette bête-là, mais elle est bien vivante. La bête de la terre reçoit le pouvoir de donner la vie à la statue de cette bête. Alors, cette statue peut même parler. Elle peut aussi tuer tous ceux qui ne veulent pas l'adorer. Elle oblige tout le monde Petits et grands, riches et pauvres, personnes libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Si quelqu'un veut acheter ou vendre quelque chose, il doit porter une marque. Cette marque, c'est le nom de la bête ou le chiffre qui représente son nom. C'est le moment de montrer de la sagesse. Celui qui est intelligent peut comprendre le chiffre de la bête parce qu'il représente le nom d'un homme. Son chiffre est 666. Le chant de ceux que l'agneau a rachetés. je regarde encore, je vois l'agneau debout sur la montagne de Sion avec lui, il y a cent quarante-quatre mille personnes. Le nom de l'agneau et le nom de son père sont écrits sur leur front. J'entends une voix qui vient du ciel. on dirait le bruit des vagues de la mer ou le bruit d'un grand coup de tonnerre. La voix que j'entends ressemble au son des harpes quand des musiciens en jouent. Ces milliers de personnes chantent un chant nouveau devant le siège royal, devant les quatre êtres vivants et devant les anciens. Personne ne peut apprendre ce chant, sauf les cent quarante-quatre mille qui viennent de la terre. Ils ont été rachetés très chers. Eux, ils n'ont pas sali leur vie avec des prostituées. Ils n'ont eu aucun contact avec elles. Eux, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés très chers parmi les êtres humains. Ainsi, ils sont offerts les premiers à Dieu et à l'agneau. Jamais ils n'ont ouvert la bouche pour mentir. Ils sont sans défaut. Des anges annoncent le jugement de Dieu. Puis je vois un autre ange qui vole très haut dans le ciel. Il doit annoncer aux habitants de la terre une bonne nouvelle qui est pour toujours. Il doit l'annoncer à tous les pays, à toutes les tribus, aux gens de toutes langues et à tous les peuples. Cet ange dit d'une voix forte Respectez Dieu avec confiance et chantez sa gloire. Oui. C'est le moment où il va juger le monde, adorer celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Un deuxième ange suit le premier. Il dit. Elle est tombée, elle est tombée, la grande Babylone. Elle a donné en abondance son vin à boire à tous les peuples, et boire son vin, c'est se prostituer comme elle. Un troisième ange suit les deux premiers. Il dit d'une voix forte. Si quelqu'un adore la bête et sa statue, s'il reçoit sa marque sur le front et sur la main, il boira lui aussi le vin de la colère de Dieu. Ce vin sera fort, et Dieu le versera dans la coupe de sa colère. Ces gens là souffriront durement dans le feu et dans la poussière brûlante, devant les anges saints et devant l'agneau. La fumée du feu qui les fait souffrir durement monte pour toujours. Ceux qui adorent la bête et sa statue, ceux qui ont reçu la marque de son nom, souffrent sans cesse jour et nuit. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et qui croient en Jésus, c'est le moment d'être patient. Puis j'entends une voix qui vient du ciel. Elle dit. Écris. Ils sont heureux dès maintenant ceux qui meurent au service du Seigneur. L'Esprit Saint dit. C'est vrai, ils peuvent se reposer de leurs efforts. En effet, leurs actions parlent pour eux. Dieu juge les peuples de la terre. Je regarde encore et je vois un nuage blanc. Quelqu'un qui ressemble à un homme est assis sur le nuage. Sur la tête, il porte une couronne d'or, et dans la main, il a une faucille bien aiguisée. Un autre ange sort du temple, il crie d'une voix forte à celui qui est assis sur le nuage. Utilise ta faucille et fais la récolte. C'est le moment de récolter, parce que la terre est mûre pour la récolte. Alors celui qui est assis sur le nuage fait passer sa faucille sur la terre, et la récolte est faite sur toute la terre. Ensuite, un autre ange sort du temple du ciel. Lui aussi, il tient une faucille bien aiguisée. Puis un autre ange vient de l'autel. Il peut commander au feu et il crie d'une voix forte à celui qui tient la faucille bien aiguisée: "Utilise ta faucille bien aiguisée et récolte les grappes de la vigne sur la terre, le raisin est mûr." L'ange fait passer sa faucille sur la terre, il récolte le raisin sur la vigne de la terre, il le jette dans le grand pressoir de la colère de Dieu, on écrase le raisin dans le pressoir en dehors de la ville, et du sang coule du pressoir, le sang se répand sur trois cents kilomètres, et il monte jusqu'à la mâchoire des chevaux. Les sept anges et les derniers malheurs. Je vois dans le ciel un autre signe. Il est grand et très étonnant. Sept anges tiennent sept grands malheurs, et ces malheurs sont les derniers. En effet, la colère de Dieu va s'arrêter avec eux. Je vois comme une mer aussi transparente que du verre et pleine de flammes. Je vois ceux qui ont vaincu la bête, sa statue et le chiffre qui représente son nom. Ils sont debout sur cette mer transparente, et ils tiennent les harpes de Dieu. Ils chantent le chant de Moïse, le serviteur de Dieu, et le chant de l'agneau. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes actions sont grandes et merveilleuses, roi des peuples, tes projets sont justes et vrais. Qui peut refuser de te respecter avec confiance et de chanter ta gloire? Oui, toi seul tu es saint. Les habitants de tous les pays viendront et ils se mettront à genoux devant toi parce que tous peuvent voir tes actions justes. Ensuite, je vois dans le ciel le temple qui abrite la tente de la rencontre. Il s'ouvre et les sept anges qui tiennent les sept grands malheurs sortent du temple. Ils portent des vêtements en lin, blanc et brillant. Des ceintures d'or entourent leur taille. Un des quatre êtres vivants donne aux sept anges sept coupes en or. Elles sont pleines de la colère du Dieu qui vit pour toujours. Une fumée remplit le temple à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Personne ne peut entrer dans le temple jusqu'à la fin des sept grands malheurs apportés par les sept anges. Les sept coupes de la colère de Dieu. J'entends une voix forte qui vient du temple. Elle dit aux sept anges Allez verser sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Le premier ange part, et il verse sa coupe sur la terre. Une plaie mauvaise et douloureuse frappe les gens qui portent la marque de la bête et qui adorent sa statue. Le deuxième ange verse sa coupe dans la mer. L'eau devient comme le sang d'un mort, et dans la mer tous les êtres vivants meurent. Le troisième ange verse sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Alors l'eau devient du sang. Et j'entends l'ange de l'eau. Il dit, Toi qui es et qui étais, toi le saint, tu es juste en jugeant de cette façon. En effet, puisqu'ils ont versé le sang de ton peuple et des prophètes, tu leur as donné du sang à boire, ils ont ce qu'ils méritent. Puis j'entends une voix qui vient de l'autel. Elle dit, Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes le quatrième ange verse sa coupe sur le soleil, et le soleil reçoit le pouvoir de brûler les gens par son feu. Alors, les gens sont brûlés par une chaleur terrible, et ils insultent le nom du Dieu qui a le pouvoir d'envoyer ces grands malheurs mais ils ne changent pas leur vie, et ils refusent de reconnaître la grandeur de Dieu. Le cinquième ange verse sa coupe sur le siège de la bête, et la nuit enveloppe le royaume de la bête. Les gens se mordent la langue tellement ils souffrent, ils insultent le Dieu qui est au ciel à cause de leur souffrance et de leur plaie, mais ils continuent à faire le mal. Le sixième ange verse sa coupe dans le grand fleuve Euphrate, et le fleuve devient sec. Ainsi les rois qui viennent du côté où le soleil se lève pourront passer. Ensuite, je vois sortir trois esprits mauvais de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète. Ces esprits ressemblent à des grenouilles. Ce sont des esprits envoyés par Satan qui font des choses extraordinaires. Ils vont trouver les rois du monde entier. Ils veulent les réunir pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur dit Voilà, je viens comme un voleur. Il est heureux celui qui ne s'endort pas et qui garde ses vêtements à côté de lui. Ainsi, il ne marchera pas tout nu et il n'aura pas honte quand les gens le verront. Les esprits mauvais réunissent les rois à un seul endroit. En hébreu, on appelle cet endroit Armageddon. Le septième ange verse sa coupe dans l'air. Une voix forte sort du temple, elle vient du siège de Dieu et dit Maintenant, c'est fait. Alors il y a des éclairs, des bruits, des coups de tonnerre et un tremblement de terre très violent. Depuis qu'il y a des êtres humains sur la terre, on n'a jamais vu un tremblement de terre comme celui-là. La grande ville se fend en trois parties, et les villes de tous les pays s'écroulent. Dieu se souvient de la grande ville de Babylone. Il lui donne à boire une coupe pleine du vin de sa terrible colère. Toutes les îles disparaissent, et on ne trouve plus les montagnes. Des gros blocs de glace tombent du ciel sur les gens. Les gens insultent Dieu à cause du grand malheur de cette pluie de glace. En effet. Ce malheur est vraiment terrible. Le jugement de Babylone. L'un des sept anges qui tiennent les sept coupes s'avance vers moi. Il me dit ⁇ Viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. C'est une grande ville située au bord de beaucoup d'eau. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Les habitants de la terre sont devenus ivres en se prostituant comme elle. L'Esprit Saint vient en moi, et l'ange me transporte au désert. Alors je vois une femme assise sur une bête rouge. Cette bête a sept têtes et dix cornes, et elle est couverte de noms qui insultent Dieu. La femme est enveloppée d'un vêtement en beau tissu rouge, elle est couverte d'or brillant, de pierres précieuses et de perles. Dans sa main, elle tient une coupe en or pleine des actions horribles et impures de sa vie de prostituée. Sur son front un nom mystérieux est écrit. La grande ville de Babylone la mère des et prostituées et des actions horribles qui ont lieu sur la terre. Je vois que la femme est ivre. Elle a bu en abondance le sang de ceux qui appartiennent à Dieu, le sang des témoins de Jésus. Quand je la vois, je suis vraiment très surpris. Alors l'ange me dit, tu es surpris. Pourquoi donc? Moi, je vais t'expliquer un secret mystérieux à propos de cette femme qui est portée par la bête. Je vais t'expliquer aussi un secret mystérieux à propos de la bête aux sept têtes et aux dix cornes. La bête que tu as vue, elle a existé, mais elle n'est plus rien. Elle va monter du trou sans fond et elle va être détruite. Certains habitants de la Terre n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie depuis la création du monde. Ces gens-là vont être surpris en voyant la bête. En effet, elle existait autrefois, maintenant elle n'existe plus, mais elle reviendra. C'est le moment de comprendre les choses avec sagesse. Les sept têtes sont les sept collines où la femme habite. Elles sont aussi sept rois. Parmi eux, cinq sont tombés, le sixième gouverne en ce moment. Le septième n'est pas encore venu, mais quand il viendra, il restera peu de temps. La bête qui existait autrefois et qui n'existe plus, est elle-même un huitième roi. Elle fait aussi partie des sept rois et elle va être détruite. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui ne gouvernent pas encore mais ils recevront le pouvoir de gouverner avec la bête pendant une heure. Tous ces rois veulent une seule chose mettre leur puissance et leur pouvoir au service de la bête. Ils vont lutter contre l'agneau, mais l'agneau sera vainqueur, parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ceux que Dieu a appelés et choisis, ses fidèles, seront aussi vainqueurs avec lui. Ensuite l'ange dit. Tu as vu le bord de l'eau où habite la prostituée, c'est-à-dire la grande ville. Là sont des peuples, des foules, des pays et des gens de toutes langues. Les dix cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles lui enlèveront tout ce qu'elle a, et elles la mettront toute nue. Elles mangeront son corps, et elles jetteront ses restes dans le feu. Oui, Dieu a mis dans leur cœur le désir de réaliser son projet. Les dix cornes, c'est-à-dire les rois, seront d'accord entre eux pour mettre leur pouvoir au service de la bête. Cela durera jusqu'au moment où les paroles de Dieu seront réalisées. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui dirige les rois de la terre.